Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Fidèles aux hommes, ils ont mis droit, l'arrivée chez notre aîné. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums du gore. Fabriqué à base de plantes naturelles. Une explosion de saveur. France, contactez-nous au plus 33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro samedi. D'abord, nous nous excusons pour hier. On a connu un problème ici. Chez nous, tout l'immeuble n'avait pas d'électricité. Et donc, comme on n'a pas un groupe électrogène pour finalement alimenter notre partie de l'immeuble, et ça s'est fait qu'on n'ait pas de courant. Et quand on n'a pas de courant, c'est extrêmement difficile. Le courant s'est rétabli, je pense, à environ 14 heures. Et à 14 heures, on ne peut plus rien faire parce qu'il faut monter, il faut arranger, il faut tout faire. Et on n'a pas pris le soin de revenir. Donc, ce qui fait que nous soyons là ce matin. Voilà pourquoi nous demandons, nous prions pour qu'on ait véritablement tout le moins nécessaire pour nous permettre de travailler convenablement. On vit dans un pays où lorsque la SNEL ne vous donne pas l'électricité ces jours-là, mais à la fin du mois, elle va vous demander de payer même le jour où vous n'avez pas eu le courant. Ça veut dire on nous fait payer parfois l'obscurité et nous payons ça malheureusement. Et c'est ça ce qui est le comble. Et c'est une société où les gens ne sont pas assez responsables de leurs fonctions. Ça veut dire qu'ils vont toujours avoir des excuses, ils vont s'excuser. Mais après, pour assumer les conséquences, on n'est pas prêt. Que voulez-vous que l'on dise? Aujourd'hui, je suis là pour continuer notre séance de la fois passée. Je vous ai dit, il y a un besoin fort de rétablir certaines choses. Je ne sais pas, peut-être vous voyez ça différemment, mais il suffit juste de prendre un peu de temps pour comprendre que la société dans laquelle nous vivons a besoin d'un renouveau, a besoin d'un véritable changement. Et quand on dit un changement, mais c'est véritablement un changement. Un changement intégral, un changement qui part de la conception, qui part de la mentalité jusqu'aux actions. Parce qu'une fois que les mentalités ont changé, ou une fois que les mentalités sont transformées, ne vous en faites pas, sur la pratique, ça change aussi, et même directement. Nous avons besoin des changements, pas des changements cosmétiques, mais des changements véritablement au fin fond de nous, en fait. Parce que cette crise philosophique, cette crise identitaire, cette crise de l'être, cette crise doit avoir des réponses. Et la réponse à une crise, c'est l'opportunité. Nous devons saisir les opportunités pour changer. Il y a deux manières d'apporter le changement dans un pays. Soit le temps vous apporte le changement, on appelle ça l'évolution. Soit l'homme intervient à ces changements, ça s'appelle la révolution. Or, maintenant, nous n'avons plus le temps nous n'avons plus le temps d'attendre l'évolution. Nous sommes contraints par la nature. On est contraints par les urgences. On est contraints par maintenant en disant, allons-y, cassons. Il faut maintenant que la révolution intervienne. Donc, il faut que l'homme intervienne. Or, mesdames et messieurs, il n'y a pas de révolution sans éveil. Il n'y a pas de révolution quelconque sans éveil. Il faut qu'il y ait de l'éveil. Mais il n'y a pas d'éveil sans prise de conscience. Vous ne pouvez pas vous éveiller si vous n'avez pas pris conscience de votre situation. Et il n'y a pas prise de conscience quand on ne reconnaît pas que nous sommes en train d'aller dans la mauvaise direction. Donc, le début d'un réveil commence par la prise de conscience. Et la prise de conscience est née du fait que l'homme se dit « ce n'est pas bon ». Que l'homme se dit «
ça suffit. Si l'homme se dit assez, il faut changer maintenant les choses, en ce moment-là seulement, il prend conscience de sa situation, il dit les poubelles ne doivent pas se retrouver là, il dit que les routes ne doivent pas être dans cet état, il dit voici les urgences, voici les priorités, voici les accessoires. Il faudrait d'abord qu'on arrive à nous-mêmes à faire une démarcation entre ce qui est utile et ce qui est agréable. Il faudrait qu'on arrive à comprendre qu'est-ce qui est prioritaire et qu'est-ce qui ne l'est pas. Or, dans notre façon de faire les choses, que ce soit à l'église, que ce soit à la cité, dans la politique ou même à l'école, nous avons transformé les choses. Autant l'église a transformé les royaumes des cieux et à tout ce qui va comme surplus, on a transformé ça à l'église maintenant, ce qui fait que les gens vont plus pour les miracles, ils vont plus pour des prières stériles, ils vont plus pour les spectacles, ils vont plus pour ces choses-là, le matériel, l'argent, les femmes, les hommes, les enfants, ils vont pour ça et ils oublient le royaume des cieux. Ils oublient. Alors que dans l'ordre naturel des choses, c'est d'abord le royaume des cieux et les restes ensuite. Et en politique, c'est pareil chez nous. D'abord la politique, la société après. Or, en réalité, dans l'ordre naturel, c'est d'abord l'intérêt communautaire avant des intérêts sectaires ou des intérêts de certains individus. Vous allez vous-même vous rendre compte de la dépravation qu'il y a aujourd'hui. En fait, cette dépravation est un appel. Ça nous appelle. Autant ça appelle l'église, autant ça appelle la politique, autant ça appelle la science, autant ça appelle tout le monde. Un peu pour dire, réveillez-vous, réveillez-vous, c'est le temps de changer. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous parler de quelques heures sombres de notre pays. Prophétiquement ou pas, mais laissez-moi vous le dire une chose. J'ai comme l'impression que l'homme, vous allez comprendre, et en politique, et dans la science, et dans parce que les trois secteurs qui caractérisent un État, souvenez-vous de ce qu'on avait dit l'autre fois, c'est vous avez premièrement la spiritualité, deuxièmement la science, troisièmement la politique. Donc, la spiritualité, nous commençons, la science et puis la politique. Mais alors, on va prendre quelques éléments un peu par-ci, par-là pour essayer un peu de rester dans notre sujet. Chaque homme a une mission quelconque pour son pays ou dans un terrain quelconque qu'il arrive. Mais je parle de la spiritualité, mais après, mais permettez-moi de parler d'abord de la politique. Et puis, je vais revenir sur la science et la politique après. Regardez dans la politique. Tous les présidents que nous avons reçus, que nous avons eus dans ce pays, ont échoué dans leur mission principale. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se sont laissés corrompre. Ils se sont laissés, pas quand je dis corrompre, c'est pas que l'argent. Ils se sont laissés corrompre par le temps, j'expliquerai dans tout au long de l'émission. Et si on ne termine pas, ne vous en faites pas, lundi on continuera toute la semaine pour ne parler que de l'effondrement de notre société. Et je vous en parlerai. Monsieur Kassavubu, la mission spirituelle de Kassavubu, c'était la conversion du Congolais. C'était le rétablissement d'abord de l'ordre du Congolais dans la tête. C'était d'abord ça. Parce que lui, il prend le pouvoir en 60. On n'attend pas de Kassavubu de recréer le Congo, je ne sais pas moi, non. Tout ce qu'on attendait de Kassavubu, c'était de normaliser tout simplement la fonction imaginaire de l'homme noir en ce moment-là. De nous réapproprier véritablement l'indépendance. Parce que Kassavubu était au courant qu'on avait raté la plus grande indépendance. La plus grande indépendance, elle n'était pas politique. La plus grande indépendance, elle était d'abord culturelle. Parce que vous avez été acculturé pendant une longue période. Vous avez été colonisé et la mentalité des colons est restée en vous. Les blancs, quand ils étaient ici au Congo, ils vous disaient que eux étaient des blancs. Et tous les noirs qui s'en sortaient un peu, on les avait collé une étiquette en les appelant de façon grossière des évolués. Est-ce que vous imaginez? On les traitait des évolués parce qu'ils savaient à peine lire et écrire. Ou c'était tout simplement ça. Pourtant, ces noirs, en ce moment-là, dégageaient des potentialités énormes. Mais l'administration belge à l'époque ne voulait pas croire en ça ou ne voulait pas donner de la lumière à ça. Ils se sont arrêtés à vous traiter désévolués. Et lorsque Kassavubu arrive, il ne prend pas ça convenablement. Il ne le comprend pas d'abord. Il continue dans la logique des blancs
faire la politique des blancs, être propre comme eux, avoir l'économie blanche et tout ça. On est resté dans ça. Et vous allez vous rendre compte que nous sommes restés dans, dans les mêmes conditions plus ou moins. Nous, il n'y a pas eu en ce moment-là une véritable révolution dans le faire. Il n'y a pas eu une véritable révolution dans l'agir. Et il n'y a pas eu une véritable révolution dans la pensée. Mobutu a la mission, finalement, de réveiller cette nation, d'unir ce peuple et de nous mettre ensemble. C'était la mission de Mobutu. La mission de Mobutu n'avait pas pour objet de rester 30 ans au pouvoir. La mission de Mobutu n'était pas de régner sur tout le Congo ou sur tous les Zaïre. Ce n'était pas ça sa mission, c'était des accessoires. La véritable mission spirituelle de Mobutu, c'était d'unir ces pays et de le développer. C'était lui, le donner, parce que c'est pendant cette période-là que le Congo allait prendre des grandes avancées, de faire des très grandes avancées. C'est pendant cette période. Et si vous posez la question à ceux qui ont vécu avant nous, ils vont vous dire que nous avons raté les plus beaux moments de l'histoire. En 74, nous ratons la plus belle, notre belle histoire. Nous la ratons en 74. Et ceux qui connaissent l'histoire, ils vont vous dire, entre 70, 71, 72, c'était les heures les plus fortes de Mobutu, où il était l'homme le plus fort en ce moment-là. Il avait tout ce qu'il voulait avoir en ce moment-là. Et c'est en ce moment-là seulement. Si on avait ouvert, ou on avait ne serait-ce qu'ouvert les yeux, ou on avait mis en place des écoles technologiques, aujourd'hui, on serait plus puissant que la Corée du Sud. Je peux vous rassurer. Si seulement en ce moment-là, on avait déjà la vision par rapport à toutes les ressources que nous avons, qui sont des réponses à l'humanité, on serait très loin. Aujourd'hui, la Corée n'allait même pas nous égaler. Si seulement en ce moment-là, parce que regardez, pendant tout ce moment-là, le monde entier, c'est le monde entier dans son ensemble, on va dire, dort un peu. Il n'y a pas Dubaï. Il n'y a pas la Grande Chine. La Corée n'est pas celle qu'elle est. En 1965, dans quel état Dubaï se trouvait? Dans quel état Corée se trouvait? Dans quel état toutes ces grandes nations qui se sont réveillés aujourd'hui, dans quel état ça se trouvait? Même alors, l'Europe s'est trouvée dans quel état? Le Portugal et les autres pays, c'était dans quel état en 1965 quand Mobutu prend le pouvoir? Mais l'homme va se corrompre lui-même. L'homme va se corrompre lui-même parce qu'il va manger dans le fruit interdit. C'est le fruit du culte de la personnalité. C'est le fruit de l'amour de soi. Le trop d'amour pour lui-même, ça va tomber dans ça. Le piège de l'entourage, s'entourer des flatteurs, des corrupteurs, des maraudeurs et tout ça. Et ça va l'emmener, dans le trou. Et vous le savez, 32 ans pour rien. 32, mais alors 32 ans pour rien du tout. Le pays reste un ghetto et nous ratons toutes les étapes du décollage. En 1960, la belle occasion arrive. Mobutu a la possibilité de laisser le pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre. Mais on refuse à Mobutu ça. On refuse. Les gourous autour de Mobutu lui refusent de voir cette perspective-là. Mobutu s'enfonce dans le trou. Il perd le pouvoir. Déjà en 1990, il a perdu le pouvoir. Et il va assumer une transition de 7 ans. Une transition inutile, mais alors pour rien du tout. En 1997, l'occasion nous est offerte de redessiner le pays, de reconstruire le pays. Mais nous avons malheureusement à la tête un président impulsif qui ne comprend pas les rapports des forces, qui ne comprend pas ces choses, il tombe dans le populisme, il tombe dans le piège du nationalisme outré, et on ne comprend pas ces choses-là. On ne devient pas nationaliste quand on n'a pas encore une forte armée, on ne devient pas nationaliste engagé quand on n'a pas une forte économie, on ne devient pas nationaliste quand on n'a pas encore épuré tous les pièges dedans. Et vous avez un Laurent Désiré Kabila qui pouvait être un véritable pion de notre histoire, qui pouvait être un véritable fils, qui pouvait nous sortir de là où on était. Mais tout simplement parce que au fond de lui, il avait le nationalisme, on accepte, il avait l'intelligence, on accepte. Mais l'absence de la sagesse, des stratégies a coûté à Kabila le père la mort pour rien. Il pouvait déjouer ce plan si seulement il pouvait soigner son apparence en public. S'il pouvait soigner ses sorties en public, s'il pouvait éviter de trop raconter des choses, s'il pouvait éviter de manifester à tout le monde que voilà, j'ai les ambitions de vous détruire. Quand vous êtes encore petit, quand vous manifestez les ambitions de détruire, on vous détruit avant que vous ne puissiez grandir. C'est pourquoi même la parole de Dieu demande à certains, on va voir dans la Bible, où Dieu demande à certains des prophètes de se cacher, parce que le moment n'était pas encore là. Vous pouvez avoir une destinée, vous pouvez avoir une ambition, mais est-ce le moment d'en parler? Est-ce le moment de le montrer? Beaucoup de gens tombent, non pas parce que le diable est fort, mais tout simplement parce qu'eux ne sont pas encore équipés pour telle mission. Ils le seront demain. Christ, on l'a fait fuir.
Le Tout-Puissant Christ, on l'a fait fuir. Dans la vie, apprenez aussi à fuir. Parfois, apprenez aussi à vous cacher. Parfois, parce que les faibles d'aujourd'hui peuvent devenir des indomptables de demain. Le lion commence sa vie par la fuite, mais c'est lui qui se retrouve demain le roi. Alors, tant que tu n'as pas encore compris que, à un moment donné dans la vie, il faut que tu te caches pour que tu te révèles demain. À un moment donné dans la vie, la forêt qui pousse ne fait pas beaucoup de bruit. Elle ne veut pas alerter les éléphants qui vont l'écraser et elle ne verra plus ses rêves s'accomplir. Parfois dans la vie, il faut marcher comme quelqu'un qui n'a pas d'ambition pour tromper ceux qui tuent les ambitions, ceux qui tuent les détenteurs d'ambition de ne pas vous voir. Dans la vie, parfois, il faut se masquer. À un moment dans la vie, il faut que bomba makambo zanango makanisinayo lingo salobi. Parfois, il faut que bomba ngoba monayote. Parce qu'il y a des coupeurs de tête, Bazali. Ma coupeur de tête, Bazali. Il y a un pharaon qui a donné l'ordre qu'on tue tous les bébés. Mais il y a un Moïse qui va finalement apparaître. On l'a caché. Et Laurent Désiré Kabila ne voulait pas se cacher. Il aimait ce pays. On veut bien. Il avait des belles ambitions. On veut bien. C'est un peu comme Lumumba. Tu as des belles ambitions. On veut bien. Mais essaye de t'armer d'abord. Oh, si j'étais à l'époque de Sankara, je lui aurais dit, monsieur, tu as des belles ambitions. Mais calme-toi, tu ne feras pas le poids devant la France. Surtout pas en ce moment-là. Tu n'es pas outillé. Tu n'es pas encore équipé. L'ambition ne suffit pas pour te protéger. L'ambition va te faire traverser les étapes, mais elle ne te protégera pas contre les ennemis. Ce qui te protégera contre les ennemis, c'est une autre arme. C'est la stratégie, c'est la sagesse. Et ça, beaucoup de leaders l'ont manqué et ils sont tombés. Ils ont dit que Dieu, tu m'as abandonné. Non, Dieu ne t'abandonne pas. Tu t'es toi-même laissé entre les mains du diable. Toi-même. Vous avez certainement grandi au Congo, à Kinshasa, vous ne connaissez pas les histoires des villages. Nous qui venons de là, des provinces, nous avons tellement entendu des histoires. Bakenda kana bukila na nyama makere lete a okimi sa banyama nyoso. Te makina bukila bakota kama lembe. Baganga la mingite. Et la mission de Kabila le Père, c'était véritablement la mission de nous redéfinir. C'était une belle époque en 1997, mais ceux qui ont l'esprit de Dieu et du Seigneur peuvent voir. Lorsque vous rentrez dans le calendrier cosmique, vous pouvez comprendre vous-même. Qu'est-ce que ça représentait 2097? Qu'est-ce que ça représentait 75? Qu'est-ce que ça représente 90 pour nous? C'est des rendez-vous manqués. Des véritables rendez-vous manqués de notre histoire. Des véritables rendez-vous manqués. Et vous avez eu tout ce qui est allé. Joseph Kabila a eu la mission, lui, de moderniser ce pays, de le reconstruire. Parce qu'après, il y a eu une autre histoire, de le reconstruire. Mais dans le monde prophétique et dans le monde de ceux qui voient un peu plus loin, vous allez vous rendre compte que l'image de Mobutu et l'image de Joseph Kabila et Kabila le Père s'est collée ensemble. C'est pas pratiquement quelqu'un qui devait achever la mission de Kabila le Père. Malheureusement, il ne l'a pas pu le faire. Pourquoi? Parce que Joseph Kabila va utiliser les anciennes armes de Mobutu qui ne vont pas servir dans une autre époque. Parce que l'armure de l'autre ne va pas aider David. Et ça, il faudrait que vous puissiez le comprendre. Si David avait accepté l'armure qu'on lui avait donnée, David allait tomber devant Goliath immédiatement. Mais David a utilisé sa propre armure, sa propre expérience. Il utilise sa propre expérience. D'abord, quand David rencontre Goliath, il appelle Goliath par un nom, un circoncis. Un circoncis, ça veut dire que tu n'as pas d'alliance. Mais l'alliance avec qui? Avec le Créateur des cieux, avec celui qui t'a créé. Tu n'as pas d'alliance avec lui. Mais lui, David, était dans l'alliance avec quelqu'un. Donc voilà pourquoi il le regardait comme un circoncis, comme quelqu'un qui n'a pas d'alliance. David n'est pas impressionné par le muscle, la montagne de Golgotha. Pour lui, c'est un homme que je vais abattre dans peu de temps. Et David savait que ce n'était pas lui qui allait l'abattre. Il savait que la force qui était en lui allait finalement abattre le monsieur. C'était une guerre d'alliance maintenant. Ce n'était même plus une guerre des hommes. C'est plutôt une guerre d'alliance. L'autre s'est confié à son alliance. Il dit, moi, parce que David de Goliath est venu. Goliath savait que, bon, moi, je vais le cogner, je vais le donner aux oiseaux. Ah, mais pas Goliath. Goliath savait que, non, pas David. David savait que moi, je ne suis pas, je ne peux pas me combattre avec toi.
je ne veux pas combattre avec toi. C'est mon alliance qui te combattra. Effectivement, l'alliance de David a combattu et a gagné. Et donc, la mission de Joseph Kabila, c'était finalement de parachever l'idée de son père. Malheureusement, il va utiliser l'armure de Mobutu. De Mobutu, c'était quoi l'armure de Mobutu? C'était la sanctification de Mobutu, pardon, la déification de Mobutu, le chant, le culte, les honneurs, ainsi de suite. Et on tombe par là. Il va tomber, il ne va rien faire de son parcours et on aura 18 ans, encore une fois, pour rien. Vient le tour de Félix Tshisekedi. Mesdames et messieurs, retenez ce que je vous dis aujourd'hui. La mission de Félix Tshisekedi n'est pas de faire de la RDC l'Allemagne, ou même si lui-même l'a dit, hein, le chef de l'État l'a dit, mais ça c'est un humain qui l'a dit. Moi je ne vous parle pas de ce qu'un humain dit, je vous parle de ce qu'un humain reçoit de Dieu. La mission de Félix Tshisekedi n'est pas de faire du Congo le Dubaï. Non, pas du tout. La mission de Félix Tshisekedi, c'est de remettre ce pays dans l'axe normal. Ça veut dire de remettre la normale. Or, on ne peut pas remettre ce pays sur la voie normale tant qu'on n'a pas changé la mentalité. Donc, le premier chantier du président Félix Tshisekedi, qu'on ne vous trompe pas, ce n'est pas l'électricité, ce n'est pas l'eau, ce n'est pas la construction de routes, ce n'est pas les hôpitaux, ce n'est pas les universités, mais c'est de rétablir l'homme dans sa pensée, c'est rétablir l'homme dans son unité de l'homme, dans sa faculté de réfléchir. Ça veut dire le changement de mentalité. C'est ça la première mission d'abord de notre président. S'il ne réussit pas ça, toutes les réformes que le chef de l'État amènera vont tomber à l'eau. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui finalement transforme en bien ou en mal les choses. Les Chinois sont les responsables de leur développement aujourd'hui. Les Haïtiens sont les responsables de leur sous-développement aujourd'hui. Ce n'est qu'une question des peuples. Ça n'a rien à voir avec la culture, avec la religion, la spiritualité. Ça n'a rien à voir avec ces choses-là. Mais le problème ici, c'est que le peuple doit être le moteur du développement. Et c'est à ce peuple qu'on doit parler. La corruption, le vol, le détournement, les viols, les sextapes, tout ce que vous entendez. Mais c'est la faille de l'homme. C'est la faille de mentalité, de l'existence, je veux dire, identitaire de l'homme. On se situe à quel niveau? Sur quelle échelle nous, on se trouve entre l'animal et la raison? On est où? Si on n'arrive pas à comprendre ces choses, on aura des faux magistrats. On aura des... Même si on veut changer l'appareil judiciaire tout entier. Mais tant qu'on n'a pas changé l'homme, ça ne marchera pas. Or, les deux armes pour changer l'homme, il n'y a pas trois. Il n'y a pas quatre. Les deux armes fondamentales qui changent et transforment les peuples, c'est la sanction et l'éducation. Il n'y a pas deux choses. Pardon, il n'y a pas trois choses. Il n'y a que ces deux choses. La sanction et l'éducation. Éduquer les petits enfants, sanctionner les adultes, c'est tout. Or, la sanction est une forme d'éducation. La sanction, elle est pédagogique. Pourquoi lorsqu'on fait tomber un chef, la ligne s'est recréée? Pourquoi, vous pensez? Mais c'est parce que ceux qui sont derrière ont compris la leçon. Quand on était petit, on nous disait, s'il y a 50 oiseaux sur un arbre, et vous abattez un seul, combien restera-t-il sur l'arbre? Ceux qui répondaient 49 échouaient. Ceux qui répondaient 0 réussissaient. Pourquoi ils restent 0? Il ne reste plus aucun oiseau. Mais tous sont fuis. Ils ont compris que ce n'est pas les bons endroits. Mais ceux qui parlaient des 49, parce qu'eux ont pensé la soustraction d'un. Il n'y a pas la soustraction d'un. C'est la soustraction en réalité des 49 qui ont compris la leçon et ils sont partis. Tant qu'on ne dira pas ces choses, on va s'embrouiller pour rien. C'est pourquoi la mission du président de la République, maintenant politiquement, sa mission, c'est de recréer une justice, mais alors la vraie et la véritable justice dans ce pays, qui va finalement nous épargner de tous les magistrats, farceurs, corrupteurs et corrompus, quand on aura exorcisé l'appareil judiciaire, avec tous les plans qu'on a donnés, et le chef de l'État n'a même pas besoin d'aller très loin. Le chef de l'État a juste besoin de faire ceci. Et je donne comme conseil tout simplement, humblement d'ailleurs. Nous avons les tripets. Dans la branche de juridiction, de cause des tribunaux, nous avons les tripets. Nous avons les TGI.
Nous avons, quand j'ai dit TGIS avec toutes les branches possibles, après nous avons les cours. On a la cour d'appel, on a la cour de cassation, on a les conseils d'État, et puis on a la cour constitutionnelle. C'est dans l'arbre de juridiction, des cours et tribunaux. Maintenant, au niveau du parquet, c'est la même chose. On a les parquets, tout, il y a tous les parquets attachés à ces cours et tribunaux. Au niveau des cours et tribunaux, que le chef de l'État nomme des nouveaux chefs de juridiction, un nouveau procureur général de la République, près la cour de cassation, nouveau général, procureur général, près la cour constitutionnelle, nouveau procureur général, près la cour d'appel, nouveau procureur de la République, et tout ça. Quand on aura nommé ces gens-là, ils ne sont pas nombreux, on n'a même pas besoin de nommer plusieurs d'entre eux. On a juste besoin de nommer une centaine ou une cinquantaine, je ne sais pas encore combien de juridictions on a véritablement, parce qu'il faut voir, on a 26 provinces, on a combien de juridictions, et ainsi de suite, on a combien. Mais ce n'est que ça. Donc, c'est une poignée de personnes. Mais alors, vous n'allez même pas dépenser $1 million. Vous n'avez pas besoin. Vous avez juste besoin de nommer les bonnes personnes. Pas des cousins d'eux, pas de frères d'eux, pas des amis d'eux. Mais des gens qui ont réussi à bâtir une réputation. Parce que je le dis toujours, si vous voulez nommer des bons magistrats, posez la question aux avocats. Ils vous diront le bon magistrat. Il y a des magistrats qui n'ont jamais été dans une affaire sale avec un avocat quelconque. Ils sont là. Des avocats, vous tout ça pour la plupart des cas, pas tous, pour la plupart des cas, mais c'est des farceurs. C'est finalement des garçons de course. Et c'est honteux dans une république. C'est absurde qu'un avocat et un magistrat discutent en termes d'argent d'un client. Mais c'est ignoble. On ne peut pas bâtir un État sur base de ça. Les veuves en train de pleurer, elles ont été dépossédées de leurs biens. Le pauvre est piétiné parce que son droit n'a pas été dit. Les orphelins sont dans la rue parce que leur maison a été donnée à quelqu'un d'autre parce qu'il a le moyen. Mais vous jetez l'anathème à votre pays, ça ne peut pas se développer. Pas possible. Mais pour construire toutes ces choses, vous n'avez pas besoin de sortir des millions pour ça. Vous avez juste besoin de nommer des bonnes personnes et vous n'avez pas besoin d'aller loin. Et moi, je vous le dis, cette recette ne prendra qu'un mois ou tout au plus 2 mois. Donnez le pouvoir aux magistrats honnêtes, aux magistrats sérieux. Ils vont eux-mêmes se débarrasser de faux magistrats. Vous voulez chasser des souris dans votre maison? Mais achetez un chat. C'est tout. On ne fait pas des prières pour chasser les souris. Amenez des chats. Et les souris vont partir d'elles-mêmes. Il y en a qui finiront dans les ventres des chats, ce qui est l'ordre naturel des choses. Il y en a d'autres qui prendront la poudre des scampettes qu'on ne verra plus jamais. Et puis l'éducation maintenant. C'est pourquoi il faut que le ministère de la Justice soit, à mon avis, si on me demandait un conseil, moi je dirais ceci au président de la République. Monsieur le Président, je ne sais pas trop, mais je me dis 2 choses. Non, ça va, c'est bon. Il faut juste garder comme ça. Le problème ici, c'est que qu'on ait un banc au ministère de la Justice, au ministère de l'Éducation, qu'on ait quelqu'un d'aussi sérieux, d'aussi intègre, qui connaît ces choses, qui entend bien faire les choses. Parce que ce sont les 2 secteurs sur lesquels le chef de l'État réussira son mandat. Il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas trop tard pour bien faire. On peut recommencer maintenant et le faire bien. Il n'y a que dans ces 2 secteurs-là que l'on peut voir un changement direct. Les autres choses peuvent venir. On peut toujours travailler, on peut toujours se baser sur ça. Il n'y a pas de problème. Mais les 2 choses qui, dans la mission effective du président Yangoan, alors, nous avons échoué. Vous voyez comment tous nos hommes échouent. Tous nos présidents échouent comme ça. Et le chef de l'État, il est à 3 ans de son mandat. Disons, il a 3 ans depuis qu'il est au pouvoir. Il peut encore faire beaucoup de choses. Et je croyais être le seul à le dire. Vous avez entendu le pasteur Roland Dallot, qui est le pasteur du président, qui a même dit ça. Il a dit que l'âge d'or, on ne le retrouvera pas avec Fatshi. Non, ce n'est pas possible. Mesdames et messieurs, parce que vous ne voyez pas la mentalité du Congolais. Le Congolais a atteint un niveau, mais le plus bas que vous ne pouvez pas imaginer.
Le véritable problème, les gens n'en parlent pas. Moi, ça m'a fait mal. Parce qu'un pasteur a parlé de ma tétella. Il a dit qu'il était tétella, son ceci, cela. Vous avez vu toute la communauté tétella se réveiller. C'est maintenant ce moment-là qu'on parle. Mais il faut aller dans les tétella là-bas, vous allez vous-même voir. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de courant, mais ils ne sont jamais levés comme ça contre le gouvernement. Mais jamais! Allez voir qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux. Ils ne se lèvent jamais pour en parler. Mais quand on parle d'eux, mais alors là, ils sortent toutes les intelligences possibles. Vous devez avoir honte. Moi, j'ai honte à votre place. Quand on dit aujourd'hui que Bangala, Bazara, Bruto, tous les Bangalas vont se lever. Mais ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de courant, ils ne se lèvent jamais. Nous ne voyons pas ces communautés pour aller suivre le gouvernement pour dire « Vous ne nous avez pas donné l'électricité ». Voilà comment un peuple tombe quand le peuple fouille le vrai débat. Et il va dans des débats inutiles, des débats qui n'ont aucun sens. Oh mon peuple, qu'est-ce qui se passe? Qui vous a ensorcelé? Qui nous a ensorcelé? Qui nous a coupé les neurones? Qui nous a coupé les neurones? Qui a coupé ça? J'ai envie de dire comme quelqu'un dit, qui nous livre ça? Qu'est-ce que vous voulez? Et puis quand vous allez dire aux gens, ils ne vous comprendront pas. Ils sont loin à comprendre. Nous sommes devenus incrédules pour ce qui est bien. Et on est prêt à écouter des bêtises. Mesdames et messieurs, j'ai été scandalisé. Ce peuple ne peut pas développer ce pays. Excusez-moi de vous le dire, ça n'est pas possible. Affaire Mike Kambay. Toutes les émissions qui ont parlé de cette affaire ont fait des vues inimaginables. 400 000 vues, 700 000 vues, 800 000 vues, pour aller écouter des choses de bas de la ceinture qui ne peut développer aucun pays au monde. Mais alors, aucun. Mais les gens ont pris tout le temps pour suivre cette bêtise-là. Mais allez voir maintenant les débats sur la création des entreprises. 4 vues. Le débat sur la création des usines. 17 vues. Le débat sur la moralité de la société, 25 vues. Mais alors dites-moi, mesdames et messieurs, comment allez-vous développer votre pays dans ces conditions, avec cette mentalité moutakalisée? Comment vous allez le faire? Comment vous y arriverez? C'est pourquoi nous disons ceci. Il est temps maintenant de comprendre que la société est en train de s'effondrer. Le bateau est en train de tanguer. Vivement un changement. Il faut un homme, il faut une femme pour se lever et dire mon temps plus dans la bêtise, mon temps dans la concentration. Pendant que nous, on est en train de parler des bêtises, les autres pays sont en train de se développer. Vous pensez vraiment qu'en Chine, il n'y a pas de sextape? Vous pensez vraiment qu'en Singapour, il n'y a pas de sextape? Mais allez-y dans les WhatsApp, dans les YouTube de Chinois. Vous allez voir, là où les jeunes gens sont en train d'inventer, 6 millions de vues, 3 millions de vues, 4 millions de vues. Les vidéos en Chine qui font plus de vues, c'est des vidéos où l'on voit des gens en train d'inventer, où l'on voit des gens en train d'imaginer des choses, où l'on voit les gens en train de construire une image. Il y a même des divertissements qui vous éduquent en Chine. On fait des petites vidéos de code de la route. 6 millions de vues, 7 millions de vues, 8 millions de vues. Les gens vont dire, non, il y a Batou, pénétration, connexion. Lokuta, Lokuta. Bino Awana Kisasa, na Congo, Bolingi, Makamba, Bosoto, Mingi. Bolingi, Makamba, Tinate. Bato, Finga, la télévision. Ne Bino, Bolingi, Kolanda. Mpo, Makambo, na Bino, Alume, Makamba, C. Bolingi, Makamba, Mitakala. Bolingi, Makamba, Zalina, C'est la ceinture. Oh, et qu'on passe à Bino, Kitoko, Yangoana. Mais Makambo, Kotombo, la Bongo, Bino, Bolingi, Yangote. Ma Bina, ya Bongo, Bolingi, te Bolingo, ma Bina, ya Loketo, Walwala, la Bilamba. Et loko, a Motindo, wana, et comme la Bino, Nesika, Mokote. Yango, to lobi mboka, et Sengeli, na Bisho, to Bandela, Kozala. To Bandela, Kotonga, Mboka. Ce qui est Yango, to Kozala, to Kozala, passe. Vous avez qu'à mon introduction, il y a mon bouquet kaka. Ils ont kaka introduction. C'est qu'au lundi, nous avons un problème de cette génération. Pourquoi on a thème il y a lundi? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, nous avons quelqu'un la structure au bimba. Donc, vous savez, nous, les problèmes de cette génération, ils animent.
beaucoup les problèmes de l'église, beaucoup les problèmes des universités, beaucoup les problèmes au modèle. Mais au total, la vue où il missionne au sale, tout au plus 10 000, 15 000 à la limite. Mais ceux qui ont atteint Kombo, Kanere, Fayoulou, Katumbi, Tshisekedi, Kabila, pour eux, ils ont vu 200, 150, 100, 47. Parfois, ça décourage, mais bon, on tient. On va tenir jusqu'au bout parce que je crois qu'on a une mission, on réussira à le faire. Mesdames et messieurs, je suis habillé par un jeune Congolais qui teint des coutures. C'est lui qui m'habille. Je vais trouver son numéro et vous le passer pour que Bino Pebola te panaye et Ozalabino et Ousalabino un véritable bien. Alors, Kitendi Couture, c'est le 085-43-49-310. 85-43-49-310. Kitendi Couture, habillez-vous, la classe Nios. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RS. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums du corps. Fabriqué à base de plantes naturelles. Une explosion de saveur. France, contactez-nous au plus 33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tuez-nous aux hommes, ces opinoires, d'Aïmata, Chino, Loye Mali, Loye Bolo, Nene Yalisa.